Ils sont plus de 1500 dans la métropole lilloise. Ils, ce sont ces femmes et ces hommes roms qui vivent pour la plupart dans des cabanes disposant de peu de confort, sur des terrains parfois insalubres. Gabriel, 16 ans, vit avec sa famille sur le camp appelé Molière à Villeneuve-d'Ascq, à l'abri des regards. Scolarisé au lycée hôtelier de Lille, le jeune homme a dû quitter la Roumanie dans l'espoir d'une vie meilleure. C'était plus difficile d'avoir un travail avec un contrat et tout ça. En Roumanie, on n'avait pas beaucoup d'argent qu'ici. On ne pouvait pas vivre mieux qu'ici. On voulait rester ici pour s'installer avec ma famille tous. Pour avoir un travail, c'est mieux comme ça. On était très timide avec les gens et tout. Au début on est resté comme ça, on a essayé d'avoir pour apprendre la langue française. Après un jour on a appris. Et du coup on s'est installé ici, on a vu que c'est mieux qu'en Roumanie, du coup on s'est installé ici. Augustine, un des frères de Gabriel, est un jeune homme de 18 ans en service civique. Son emploi lui permet d'aider toute la famille, dont leur père, Tarzan, qui pour joindre les deux bouts vend de la ferraille qu'il récupère partout à Lille. On a cherché la ferraille, on a coupé des enfants, on se partit les cours. Ça coupe des enfants pour aller à l'école. Vous allez chercher de la ferraille? Oui. Tous les jours? Quand on revient, vous allez chercher où? N'importe où. Sur le lit. D'accord, partout. Et vous faites quoi avec? On le vend. C'est quelque chose d'argent. Ça, on va voir. Tiens, quel problème, on a ça, mais on va parce qu'on n'a pas outils, chercher du travail. Sur le camp Molière vit également Maria, la tante de Gabriel et d'Augustine. Cette mère de 8 enfants dispose de 3 caravanes pour loger et nourrir tant bien que mal sa troupe. En Roumanie, elle a eu quelques emplois, mais rien qui lui permettait de vivre convenablement. Son époux est incapable de travailler. Maria est donc la seule à pouvoir subvenir aux besoins de sa famille nombreuse. Les bousils, là-bas, le travaillaient et les bousils passaient. Et moi, j'ai perdu. Moi, je ne connais pas les routes. C'était quand, ça? C'est déjà 6 mois. Maria est prête à accepter tous les emplois tels qu'ils soient. Aujourd'hui, cette maman est aidée par des bénévoles dans ses recherches. CV, suivi et repérage des potentiels employeurs, ils font tout leur possible pour permettre à Maria d'avoir un avenir professionnel. Et le ramasser du papier à la route. La fleur aussi, garder 12 enfants, comme école. Daniela Odo fait partie de ces personnes qui donnent de leur temps pour aider les familles roms. Depuis un peu plus de 3 ans, elle se rend en effet régulièrement sur les camps pour tisser des liens et tenter d'améliorer leur quotidien. C'est une initiative qui part ici du couvent des Dominicains de Lille. Avec un frère qui m'a proposé justement de voir un petit peu si on ne pouvait pas établir des contacts et puis aider un petit peu les enfants de ces camps qui n'étaient pas scolarisés d'aucune façon. Donc on a essayé au fil des semaines de pouvoir leur apprendre un petit peu à quelque chose de la culture française. Bon, pas vraiment grand-chose parce que c'est plutôt difficile dans un camp, mais... On a quand même réussi à faire avoir des petits progrès. Voscal présente un certain nombre de problèmes parce que l'accès à l'eau n'est pas facile du tout. Les aides arrivent sporadiquement, ne sont pas toujours là non plus. Il y a le problème aussi que la REAS n'est pas très présente. De toute façon, la REAS n'est pas très présente sur aucun camp maintenant, sauf ceux expérimentaux. Le SAS Pyramide, par exemple. Oui, c'est ça, exactement. Le camp de Wascal est l'un des camps sur lesquels Daniela Odo se rend fréquemment. Situé le long du boulevard entre Lille et Roubaix, il reste peu visible.
Derrière le portail vit Adriana, une jeune femme de 21 ans originaire de Roumanie, ses parents, ses frères et sœurs, ses grands-parents, mais aussi une autre famille peu présente. Comme à son habitude, Daniela apporte à chacune de ses visites des objets de la vie quotidienne appréciés par la famille. Tu mets sur le feu. Et puis ça boue, c'est pour les vêtements des petits, comme ça. Pour que ça soit plus propre. Ah oui, ça c'est pour Anka et pour... Sur ce terrain, la famille d'Adriana est obligée de vivre à côté de tonnes d'ordures. Selon la jeune femme, tout cela appartiendrait à la famille qui occupait les lieux avant leur arrivée, partie depuis. Mais il y en avait plein, parce que tout là-haut, il y en a... c'est nous qu'on a mis tout ça là-bas, parce qu'ils étaient déjà ici. On ne pouvait pas mettre les cabanes ici, on ne pouvait pas les amener tout au long. Du coup, vous avez dû mettre vos cabanes ici et laisser tout ça là. Oui, mais après, là, quand ça va réchauffer dehors, on va faire pour qu'on puisse les mettre de l'autre côté, peut-être la moitié. Tu aurais aimé aller à l'école, comme tes frères ? Oui. Mais c'est difficile. C'est que moi, je n'étais pas en Roumanie, ça fait longtemps que je ne suis pas rentrée en Roumanie. Et mon passeport, il est périmé, et à cause de mon passeport, je ne peux rien faire. J'avais 13 ans, 14 ans quand je suis venue en France. Tu aurais aimé retourner là-bas, en Roumanie ? Non, parce que quand j'étais là-bas, ça n'était pas bien. Moi, je pense que c'est mieux en France, mais bon, quand même... C'est juste difficile quand on n'a pas de maison, tout là, c'est pour ça. Mais en Roumanie, c'est la même chose, on a une caravane, une cabane comme ça, c'est le même. Mais en France, on trouve à manger, on trouve des sous, parfois, et comme ça. Comme de nombreuses autres familles, celle d'Adriana se rend dans les rues pour faire la manche. Une situation que vit mal Adriana, mais consciente que l'aide apportée à ses parents est précieuse. Ma mère, il attend l'allocation mensuelle, 100€, 80€. Et avec ça, on vit. Et parfois, ma mère, et même moi, parfois, je vais le dimanche. Il y a une église à côté de ma grand-mère. Daniela, elle sait où il est, l'église. Et je vais là-bas et je fais la manche. Et ma mère aussi, elle fait la manche. Il y a des gens qui ne nous donnent pas, il y a des gens qui nous donnent. Nous, on ne les oblige pas de nous donner. S'ils vont nous donner, s'ils ne vont pas, j'ai honte après. Après une mission de formateur au Burkina Faso qui a duré 3 mois en 2009, Mitek Choleva a décidé lui aussi, dès 2010, d'aider les familles roms vivant aux quatre coins de la métropole lilloise. Ce professeur de français à la retraite s'active au sein du collectif Roms 5962 pour aider les roms à la recherche d'emploi et de logement. Je me suis dit qu'il y avait aussi pas mal de gens qui avaient besoin de formation, je dirais, d'aide, de soutien en France. Du coup, voilà, c'était les Roms, il n'y en avait pas loin de chez moi, et je me suis engagé là-dedans. Donc je suis présent chez les Roms à peu près depuis 2010. Il ne faut pas seulement faire de l'accompagnement, je dirais, caritatif, mais il faut aussi faire du plaidoyer, défendre ces gens-là auprès des autorités et essayer de les amener au droit commun, comme on dit. Deux fois par semaine, deux membres du collectif Roms 5962, dont Mietek, se rendent à l'épicerie solidaire de Marc-en-Barœul. Ils récupèrent des kilos de nourriture qu'ils distribuent ensuite à de nombreuses familles qui occupent à la rue de Bavé de Lille les anciennes voies ferroviaires de la SNCF. Parfois on recueille énormément, on peut donc je vais la nourrir entre deux. Parfois on en a peu, on en a peu. Il faut savoir qui a fait la ramasse d'avant et où il s'est arrêté. Enfin, c'est l'organisation. Ça, c'est le pain. Merci Aurélien. Avec pour plaisir. Bavet, je remercie. Alors ça c'est du poulet taille. Poulet moutarde, bon on va y aller, on va se débrouiller là-bas. Il y a beaucoup de sandwichs, ils aiment beaucoup les sandwichs. Ils aiment beaucoup la pâtisserie, il y en a 3. Alors là ça va être encore. Sur place, Mietek retrouve deux autres bénévoles chargés quant à eux de l'alphabétisation des enfants.
Comme chaque semaine, ils lui donnent un coup de main dans la préparation des sacs d'aliments qui seront étiquetés et donnés en main propre aux familles. J'espère qu'ils aiment les tripes. Aïe ! Ce sera ça, hein, pour rien. Une distribution sur l'autre, on voit, on ne peut pas alimenter toutes les familles en tout le temps, quoi. Donc il y en a une partie qui reçoit les dons alimentaires, puis on poursuit le fois d'après. C'est un camp qui est quand même, il y a au moins 110 personnes maintenant, c'est pas plus. Donc on y vient deux fois par semaine. Tous les lundis, jour de distribution de Métec, l'organisation est la même. Ils vérifient les familles livrées de leur paquet la semaine précédente pour ne pas commettre d'erreur. Pour nourrir tout le monde, les Roms de la rue de Bavay reçoivent des produits récupérés dans l'épicerie solidaire uniquement une semaine sur deux. Les quantités varient quant à elles selon les invendus de l'épicerie. T'inquiète pas, on va s'occuper de ta maman. Oui, on va bien s'en occuper. Après, il y en a qui n'aiment pas, qui se donnent des choses. Parfois on a beaucoup de pâtisserie et pas beaucoup de salé. Parfois c'est comme ici, beaucoup de salé, trois pâtisseries. Donc on ne sait jamais. Il a été étiqueté ce. Oui, a priori j'étiquette d'abord. Puis... Alina, c'est la 17, c'est tout au bout. Oui. Donc ils n'ont pas été servis. Il y a encore beaucoup que Alina. Oui, mais c'est pas toi parce que vous avez été servi mercredi dernier. Après, donc, au bout, ça arrivera, voilà. Après, ça arrive doucement. Voilà, bon, c'est bon. En fait, là, il y en a une. C'est une cabane en bois qui est en train de se construire, qui va être une nouvelle. Où ça, à quel niveau, à peu près la, juste après la cabane, enfin, entre la, après, la après la salle de prière. D'accord. Et c'est deux personnes qui viennent d'arriver. Et c'est une cabane, c'est Popa oui, Ramona. Popa Ramona, c'est elle. Cette femme fait partie de ces nombreux Roms qui marquent l'esprit de Mietek et des autres bénévoles, de leur courage et leur détermination à s'en sortir et à vouloir une vie meilleure. Ce jour-là, elle revoit le bénévole qu'elle n'a pas vu depuis des mois, depuis son départ d'un camp évacué, comme beaucoup d'autres, par les forces de l'ordre.